parler cinéma. Et lorsqu'on a lancé le projet en début de Golo, certains nous ont dit « Ah, c'est rigolo, ma grand-mère fait partie d'un club de cinéphiles dans son institut. »« Ah ben, mon grand-père aussi, » dit l'autre. Et c'était le même institut. C'est un institut pour malvoyants et non-voyants. Tous les jeudis après-midi, 6 personnes âgées se réunissent devant de vieux films. Mais hélas, ces films ne font pas toujours partie du répertoire des films décrits pour les aveugles. Alors ils écoutent la bande-son en comparant leurs souvenirs, pour ceux qui en ont, ou en écoutant un aide-soignant ou une aide-soignante de bonne volonté qui passe par là. Alors finalement, on a décidé de raconter cette histoire-là. On s'est appuyé sur ces témoignages. Tous les jeudis, après-midi, à chaque fois, c'est cinéma. Tous les jeudis, après-midi, à chaque fois, c'est cinéma. Tous les jeudis, après-midi, à chaque fois, c'est...
jeune femme, Sarah, surprend une de ses séances. Bonjour. Bonjour. Je passais par là et je vous ai entendu. Si vous voulez, je peux vous aider à décrire. Avec plaisir, mademoiselle, mais on ne voudrait pas vous prendre votre temps, vous... Non, non, au contraire. Aucun problème. Vous êtes une nouvelle pensionnaire? Non, 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 je... Qu'est-ce que vous venez faire ici à l'Institut? Je rendais visite. Tous les jeudis, je viens rendre visite à un patient ici, à l'Institut. C'est un garçon très secret. Il préfère rester enfermé dans sa chambre. C'est votre amoureux? Je l'ai aimé, jadis. Il s'appelle Simon. Ça vous dirait que le jeudi, après ma visite à Simon, je viens de vous décrire un film. Ce n'est pas mon métier, je ne suis pas audio-descriptrice. Mais si vous choisissez les films à l'avance, j'ai le temps de préparer un peu et je devrais pouvoir me débrouiller. Oh, ce serait formidable. Ah oui, je ne suis pas contre. Oh, ça va nous aider. Alors, il ne faut pas que ça en va, parce que... Brigitte, s'il te plaît, est-ce que tu peux parler moins? Brigitte parle trop vite. Beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Non, mais... Parce qu'on avait décidé de continuer les films de Pagnol. Eh bien, continuons les films de Pagnol. Après, Marius, c'est... Fanny. On va, pour que vous compreniez, on va vous montrer la séance que Sarah a faite sur Fanny de Pagnol. Pour bien comprendre, pour le premier couplet, vous allez faire le rôle de Sarah. Et puis pour le deuxième couplet, vous allez faire, vous, le rôle de Sarah. Et comment on fait pour le troisième couplet? Ben pour le troisième couplet, c'est vous qui allez faire le rôle de Sarah. Fanny, par Sarah. Je ne peux pas tout vous expliquer si vous ne me laissez pas parler.
s'impose peu à peu dans le groupe, comme la conteuse du jeudi après-midi. Elle se débrouille très bien dans la description, entre la stricte observation et ce qui relève davantage de l'interprétation. Le petit groupe est ravi. Ces séances deviennent le rendez-vous hebdomadaire. Oui, tous les jeudis. Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer. Gustave, il est bien brave.
voici Igor. Certains films qu'ils comparent avec ce que leur raconte Sarah. Mais l'un d'eux les met en garde. Lui, c'est en acceptant d'oublier les images de sa vie d'avant, et notamment le visage de son épouse décédée, qu'il a pu vivre pleinement sa nouvelle vie. Oublier. Oublier les images. Quand s'est éteint la flamme, quand vint la cécité, au souvenir de ma femme, je me suis raccroché. Mais c'était là le drame, je voulais conserver l'image de madame qui allait s'effacer. Que j'aimais.
Très beau. Je comprends, dit Gustave. Oui, c'est très fort, mais c'est vrai, le son, les voix des acteurs, dit Suzanne, c'est un monde en soi. Ah oui, les voix, reconnaissables entre mille. Ben, c'est ce qu'on disait au début, nous. Oui, les voix des acteurs, les accents, les voix, des stars, des vedettes, des têtes de vedettes. Suzanne, votre Simon, on va le rencontrer? Ah oui, depuis le temps là, il est si sauvage que ça. Il a quitté l'institut, dit Sarah. Oh, vous auriez dû nous le présenter. Il aurait peut-être aimé nos séances du jeudi. Demandez-lui de vous accompagner la prochaine fois, vous allez voir, dit Brigitte. On verra. En attendant, est-ce que vous avez des idées de films pour les prochaines séances? Oui, moi je serais assez pour rester dans les vieux classiques, dit Lucien. J'ai l'impression que Sarah a une idée derrière la tête. Je me trompe? Dit Suzanne. Ben, je me disais qu'on pourrait tenter des films peut-être plus actuels, faire des mélanges. Vous avez pas... Vous avez des idées? Je sais pas si c'est la meilleure idée. Bien glaçant, la série des aliens, ils sont monstres gluants, enfermés dans la...
5G. On propose de mettre un autre film non prévu, mais Sarah s'est enfuie. Sarah, elle ne revient ni la semaine d'après, ni celle d'encore après. La 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 la
Le mois d'après, une jeune femme, Élodie, se présente au petit groupe. Bonjour, je suis une amie de Sarah. Comment va-t-elle? Que lui est-elle arrivée? Non, elle va bien, si, elle va bien, mais elle m'a demandé de vous livrer la vérité. La vérité? Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, Sarah venait ici tous les jeudis parce que sa vue baisse progressivement et suite à une maladie, elle devient aveugle, oui, c'est ça. Mais elle avait tellement pris goût à ses séances, en fait, je suis audiodescriptrice, c'est mon métier. Je connais Sarah depuis toujours et elle m'avait mise dans le secret. Elle me faisait décrire chaque film avant sa visite dans votre petit groupe. Ah, j'ai compris, dit Lucien. Elle a préféré s'enfuir avant qu'on choisisse un film qu'elle ne connaissait pas. Et la dernière fois, avant chaque projection, je n'osais jamais dire non, raconte Élodie. Yeah.
sur nous aussi un secret. En réalité, que Sarah ne voyait pas, ou presque pas, on s'en doutait. On le savait. Vous le saviez, non ? Ses erreurs étaient de plus en plus grossières. Elle confondait parfois les acteurs, elle mélangeait, parfois elle inventait. Elle mélangeait, elle confondait, elle inventait. À la chose. Mais dites, votre métier à vous, c'est audiodescriptrice ? Oui. Je me suis lancé dans ce métier en souvenir d'un garçon que j'ai aimé autrefois. Il s'appelle Simon. Simon. Mes copines me disaient qu'il faut lui dire tout secret.
Ça alors ? C'est cette histoire que Sarah nous avait racontée. C'est à cause de ce Simon, mais son Simon à elle, qui disait que elle venait le rencontrer ici tous les jeudis. Sarah a utilisé mon histoire pour justifier sa venue. Mais ne lui en veuillez pas. Elle a emprunté mon histoire, mais on peut la comprendre. D'abord parce que je lui avais raconté en long et en large durant des années, et aussi parce que Sarah avait certainement du mal à vivre et accepter son histoire à elle. Je suis très ému par tout ça, dit Lucien. Dites-lui qu'on ne l'oublie pas. J'ai une idée, demande Elodie. J'ai l'impression qu'on va dire oui. Est-ce que vous accepteriez que je sois votre audiodescriptrice pour les films du jeudi? Ah oui, bien sûr. Et Gustave ajoute, pour paraître un petit peu léger, on appellera ça le retour du jeudi. Pardon de cette simulation.
temps perdu, je ne voyais pas d'issue à ce mensonge, ce mensonge qui ronge, ce mensonge qui plonge plus en avant infiniment. Par l'imagination, je compensais. Par l'imagination, c'est comme ça que ça aurait dû finir au début de la colo dans leur histoire. C'est comme ça que ça s'était fini il y a quelques années. Et puis coup de théâtre, cette semaine. Oui, c'était un grand moment. On a reçu le livre audio, le dernier roman à succès de Sarah, qui est devenue écrivain, un écrivain célèbre. Et à présent qu'elle est romancière, elle est libre d'inventer tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle a dans la tête. Thank you.
de ce stage. Sur tous les fronts de son ordinateur à son violon, c'est notre directrice Anne Gonnier.